persuadé de réveiller l'intention. Je pourrais créer plus de problèmes que ça n'en résoudra. Responsable pour avoir une chance, votre amitié a toujours compté. Restez où vous êtes. Monsieur le Président! C'est à cause de moi. Tout est ma faute. De quoi est-ce que vous parlez? La cathédrale de Tholox. Je vous expliquerai là-bas, agent Kennedy. Vous savez comment je m'appelle? Oui. Hannigan? Dieu merci, vous allez bien. Quoi, vous la connaissez? C'est Lena Harper. Elle a rejoint les services secrets l'an dernier. Je suis vraiment heureuse de voir que vous allez bien tous les deux. Bon, trêve de présentation. Faites-moi un rapport détaillé sur la situation. Je viens de tuer le président. Comment? Il avait déjà été infecté à notre arrivée. Léon a fait ce qu'il fallait. Il m'a sauvé la vie. C'est terrible. Très bien. Je transmets l'info. Vous, de votre côté, essayez de vous sauver de là. Le virus s'est déjà répandu à 4 km autour du campus. Et il ne ralentit pas. Dépêchez-vous. Il faut qu'on inspecte la cathédrale de Tholox. L'agent Kennedy a une piste qui pourrait mener au responsable de tout ça. Léon, c'est vrai. Hey. Je tiens peut-être quelque chose. Entendu. Je vais chercher le chemin le plus sûr. Je vous recontacte. J'ai une piste. Suis-moi et tu en auras une. Qu'est-ce que cette église a de si spécial? Tu as des péchés à confesser? C'est dur à expliquer. Si je ne te le dis pas à la cathédrale, tu ne me croiras pas. Tu me raconteras tout une fois qu'on sera à la cathédrale. Ok? Ok. Vise la tête. Ça marche bien. Compris. C'est là que la réception devait avoir lieu. Ils seraient tous là en train de dîner si... Tu penses qu'il y a des survivants? J'espère bien. J'arrive pas à croire que ça recommence. Comme à Raccoon City. L'incident de Raccoon City. Tu es l'un des survivants. Ouais. Je n'oublierai jamais. On va aller dans ta fameuse cathédrale. Mais si t'as quelque chose à voir là-dedans, tu peux dire adieu à ta liberté. Je sais. C'était quoi? Y a qu'un moyen de savoir. Allons-y.
dans le fond. Vous allez bien? La brume. Quoi? La brume. Elle est apparue d'un coup. Elise! Non! Non, lâchez-moi! C'est trop dangereux. Ma fille, elle est toute seule. Si on n'agit pas vite... C'est bon, ça va. Mais mettez-la en veilleuse ou vous la reverrez jamais. Vous comprenez? Lise. C'est votre fille? Ok, trouvons-la. Léon, on n'a pas le temps de... On va le prendre. Lise, où es-tu? C'est quoi ce bruit? D'accord. Restez par là. Merci. Liz! Liz! Lise, réponds. Lise, c'est ton papa. Je me demande dans combien de temps ces cadavres vont se lever. Vous allez bien? Ça ira mieux quand j'aurai trouvé ma fille. Je l'ai appelée, mais ça a coupé. Je sais qu'elle est là, quelque part. Il faut absolument relancer l'ascenseur. C'est fermé, mais je travaille ici. J'ai les clés. Une fois là-bas, on prend ma voiture. Merci. On trouve Liz et on fout le camp d'ici. Liz! Liz, c'est toi? Liz!
Lise. Papa, où sont maman et Liam? Ils sont déjà partis. Ils nous attendent à la maison. Comment on sort de cet endroit? Par le parking souterrain. L'ascenseur est juste devant. J'espère qu'il fonctionne. On va dégager le chemin. J'ai bien reçu. Heureusement que vous étiez là. Bien, Lizzie. Tu vas t'en sortir. Papa. On y est presque. Liz. Tu ferais bien de t'y faire. C'est eux ou nous. Et eux, ils n'hésitent pas. Pourquoi tout ça nous arrive ?